Mamie Denise. Totoche. Je m'appelle Denise, mais c'est vieux et ça se fait plus, mais bon. Tu es née en quelle année? En 1941, pendant la guerre. 26 mai, fête des mères, souvent. Ouh, 78. C'est beaucoup, hein. Bon, moi je veux bien essayer d'aller jusqu'à 85, mais c'est pas dit. Je n'aime pas les balles du 14 juillet, car les balles me font mal, parce que je sais plus les paroles. C'était un truc que je chantais, je sais plus. Parce que j'ai déjà chanté en public, pas avec cette voix-là, bien sûr. Et quand j'ai chanté, les messieurs qui sont occupés de moi m'ont dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez continuer plus tard ou arrêter ?» Et je lui ai dit « Non, non, c'était juste un essai, je vais m'arrêter. » Mais je chantais bien. Ben, je ne sais pas si c'est celle-là, là. Je n'aime pas les balles du 14 juillet, car les balles me font mal. Je suis parti de Doud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 o
Et il y en avait un, je me souviens, qui était devant la pharmacie et puis qui voulait certainement me donner un rendez-vous. Et comme papa a vu ça, je crois qu'il s'est précipité pour me griller la place. Je lui demanderai si ça s'est passé comme ça un petit peu. Mais c'est un peu ça. Et justement, lui, quand il pensait que c'était le même charbon et qu'il avait un chauffeur, tout ça, il avait dû dire, tiens, la petite, là, sur le côté, enfin, il faudra lui demander. Mais bon, je le voyais en charbonnier derrière un volant. Lui, il me voyait descendre au boulot à 2h et puis revenir à 7h. Je crois que ce jour-là, oui, j'étais à la pharmacie, en plus j'étais dans le magasin, et quand il a vu le gars qui s'arrêtait dans la voiture, il a dit, Jackie a dit, tout de suite il s'est arrêté, et je pense qu'il est passé devant les clients, puis il m'a dit, bon alors samedi soir, telle date, on va au cinéma, parce qu'on connaît un petit peu avec des copains. C'est lui qui a fait le premier pas. On ne savait même pas quel film il y avait. C'était une façon certainement de sortir un soir et avec des copains. Après, bah, on a continué à sortir le dimanche avec les copains. On n'était pas toujours tout seul. Et on allait au cinéma d'Achères. À ce moment-là, on n'avait pas de permis, on ne conduisait pas. Alors on allait les films voir à l'Éden ou à l'Ambiance, à notre cinéma. On était... comment dirais-je, parrain et marraine déjà des petits-enfants qui étaient dans ma famille, à moi. Lui, il était le parrain et moi, j'étais la marraine. Et puis ça, peut-être, c'est un truc que ça qui a dû nous rapprocher, quoi. C'était un beau gars, puis grand. Et j'ai toujours aimé les hommes grands. Je suis jamais sortie avec un petit. Peut-être à ma hauteur, une fois à Paris, mais non. Il fallait toujours plus grand. C'était un bel homme. Jackie, c'était un bel homme. On était d'abord dans un appartement à Poissy. C'était par la maman de Jackie, là. On avait quoi, Olivier est né. Bon, bah, il devait être gentil, mais Olivier a peut-être été toujours plus dur. Puis on est peut-être plus méchant avec un enfant plus grand que la fille. Ou... Tu comprends, ça ne devait pas être le chouchou. On a peut-être été trop dur avec Olivier, ça j'en conviens. Et c'est marrant, Olivier, à chaque fois, il parle de moi, mais en bien et tout. Et apparemment, il n'a pas souffert de ce genre de truc. Quand elle était petite, bah, elle était belle. On nous faisait toujours des compliments. Elle était mignonne. Comme maintenant, mais maintenant, elle a quel âge ? 50. 50, voilà, c'est ça. Et comme nous, moi, j'ai dû l'avoir à... Oui, il a 25 ans, hein, tu vois, il a 25 ans de ça. Alors bon... On se souvient plus spécialement. On l'a vécu, c'est tout. C'est difficile. Hein. Puis j'étais jeune aussi, moi, quand... Je me souviens plus, ça. Les âges, je me souviens plus. Quand ce sera fini, tu pourras me le dire. Ah, il est là. Il était là, en plus, mon verre, tu vois. Ah oui. Non, oui, non, mais on arrête. J'avais un film, là, que j'ai dû louper. Il est 14h. Un film que je pourrais regarder aussi, je vais le mettre. Je peux y aller. Il est où, le pépère? Il est là-haut. Tiens, regarde, il faudrait, avec un chiffon en poussière, que je nettoie le lustre intérieur. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mule qui charme, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous.